R comme RPG, Role Playing Game ou jeu de rôle en français. Pour faire simple, Donjons et Dragons. Neverwinter en jeu vidéo. Un inventaire, un perso à créer et à faire évoluer, et une envie de jouer des histoires avec son imagination. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de jeu informatisé, c'est ça? En quelque sorte, sauf que ça nécessite le merveilleux pouvoir d'un processeur qu'on appelle le cerveau humain. Le jeu de rôle imprègne la culture pop. Stranger Things repose sur Donjons et Dragons. Sean Astin et Wesley Snipes sont joueurs. Vin Diesel a été vu dans une partie filmée, grande tendance de ces dernières années. Vin Diesel qui a son perso à World of Warcraft. Tiens, World of Warcraft, le titre aux 10 millions d'abonnés qui a popularisé le MMO en 2005. Côté offline, le succès de Skyrim et de The Witcher 3 démontre que le public s'élargit. Final Fantasy et Zelda Breath of the Wild indiquent que le RPG est important dans le paysage ludique. Mais il est vrai que le genre obéit à des règles exigeantes. De l'optimisation, des heures à augmenter son niveau, un monde ouvert qui fait peur. Finalement, ce sont les éléments du RPG qui sont populaires dans le jeu vidéo, plus que le RPG lui-même. Tiens, prenez un certain Assassin's Creed qui s'inspire de The Witcher depuis 2017. Mieux, un certain Red Dead Redemption.